public-privé. Blockchain ouais. Public, blockchain privé. Alors, blockchain public, c'est-à-dire que c'est une blockchain, donc un service qui permet de n'importe qui mettre en place un usage dans une blockchain. Donc, en gros, il en existe plusieurs, notamment Ethereum. Après, la plus connue, c'est celle du Bitcoin. Oui. Mais en tout cas, elles sont utilisées quasiment aujourd'hui, quasiment que pour de la crypto-monnaie. Quelque chose qui ne sert strictement à rien, sauf à faire de la spéculation et à consommer de l'énergie. Parce que il y a du monde qui était là ce matin ou... Comment ? Non, parce qu'il y avait une conférence sur le Bitcoin, vous nous expliquiez que c'était super intéressant. Donc, Bah, c'est intéressant, mais ça ne sert à rien. D'accord. Ok. Ah, monsieur qui était au Bitcoin ce matin, qui veut réagir. Oui, prenez le micro parce que qu'on ne vous voit pas sur Facebook, mais on peut vous entendre. Votre nom et votre prénom juste. Mais très vite parce qu'il faut qu'on continue. Je peux pas vous dire des trucs hallucinants comme ça. Une base de données distribuée, ça existe sans blockchain. C'est le seul avantage que vous trouvez après, à la blockchain. Après, si tu veux, finir. Non. Le seul avantage que vous trouvez à la blockchain, c'est qu'il y a un consensus qui permet à 51% ou 60% des gens de corrompre les données. C'est tout l'inverse du propos du protocole Bitcoin. C'est-à-dire que les données doivent être immuables. Personne, pas un consensus humain, ne peut remonter dans la blockchain. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, il faut une base de données distribuée. Il n'y a pas besoin d'une blockchain. On ira tout à l'heure sur les questions. J'ai pas dit que ça servait à rien. Est-ce que je peux avoir un peu d'humour Non, c'est pas drôle. D'accord. Merci pour votre intervention.